l'heure. Motivé, beaucoup plus déterminé qu'en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai trouvé que, notamment sur la durée, enfin sur les deux heures, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un match de cette qualité-là de mon équipe. On a proposé énormément de jeux, on a eu des occasions, on s'est créé des occasions, les transitions étaient bonnes. J'ai vraiment vu un vrai match de football avec beaucoup d'intensité. Et je pense que sur l'ensemble du match, la victoire me paraît logique. Vous avez des objectifs du coup par rapport à quand vous voyez la prestation de ce soir pour la suite de la Coupe? Non, on connaît le football, c'est ce qu'on s'est dit avant le match. Oui. Maintenant, il faut prendre les matchs un par un. Mais en tout cas, c'est sur ce que j'ai vu, avec des choix différents, ça me plaît pour l'avenir. Je ne sais pas ce qu'il en est, ce qu'il en sera. Parce que demain, on joue les Cholets et les Sables de grosses armadas. Mais en tout cas, en termes de projet de jeu, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça et ça fait du bien. Je pense qu'ils se sont fait plaisir. J'aurais été déçu aujourd'hui uniquement pour les garçons et très sincèrement qu'ils perdent. On perd 1-0 contre le cours de jeu. C'est toujours embêtant parce que la moindre petite erreur qu'on fait, Alan le sait, sur sa relance, on prend le but, on le paye cash. Mais derrière ça, on a continué à harceler, à forcer le destin. J'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé aujourd'hui. Notamment dans l'état d'esprit, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de groupe dans le groupe. Il y avait une unité, j'ai beaucoup apprécié.